coming from the belt of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à tous, donc moi c'est Thomas. Moi c'est Romain. Voilà, on va vous présenter Coniti, la solution digitale innovante dédiée aux constructeurs de maisons individuelles. C'est une solution qui va répondre à une problématique de la relation client. Donc nous on va mettre à disposition un outil digital qui va amener du conseil, amener de la formation. Alors aujourd'hui en fait on est en plein test de l'outil, on met à disposition la plateforme qu'on a 4 constructeurs testables dès le mois de juin à pouvoir commercialiser l'outil. Donc là on est en pleine démarche commerciale pour vendre la solution. En fait on n'avait pas vraiment défini la stratégie de Coniti, donc on est parti tout feu tout flamme dans une solution digitale sans trop savoir où on allait. Après Bill, on a su mettre noir sur blanc une stratégie en 4 étapes bien définies. La chronologie des ateliers qui a fait que ça s'est bien goupillé par rapport à notre stade d'avancement, parce qu'on a commencé au départ par qui est ton client, et au fur et à mesure monter, on va dire, en complexité, en tout cas sur des thématiques bien plus précises. Mais effectivement, cette notion qui est ton client, question qu'on se pose, qu'on a dû se poser régulièrement et quasiment tous les jours, nous a permis justement un peu de structurer toute la réflexion et un peu la stratégie qu'on a actuellement. Ce qui nous a encore plus apporté, ça a été d'être 9 startups à des étapes d'avancement un peu différentes. On a énormément échangé entre nous, on a débriefé les ateliers, on a pris ce qu'il y avait à apprendre chez les uns et les autres. L'idée, c'est de faire une levée de fonds en mode love money dans moins de 2 semaines, parce qu'il nous manque une partie de nos besoins en financement pour assurer l'ensemble du développement qu'on a réalisé. On vient de sortir la première version de la solution et on est déjà sur la deuxième version qui devrait commencer à peu près au mois de septembre 2018. Et la priorité là, du moment, c'est quand même, au-delà de l'aspect technique et de la solution digitale, c'est le développement commercial. Effectivement, qu'on puisse développer ça à l'échelle nationale et que d'ici fin d'année, on puisse confirmer les objectifs qu'on s'était fixés. Si je peux donner un conseil, ça serait effectivement toujours de se remettre en cause. Pourquoi ? C'est pour toujours aller plus loin dans sa réflexion, enfin, ne pas imaginer être persuadé de son savoir et de sa solution, toujours faire en sorte qu'elle s'améliore par la remise en cause. Puis j'ajouterais mettre des pulls rayés, c'est vachement important. Un dernier conseil, je dirais oser, faut oser. On se rend compte que si on n'avait pas osé participer à Bustignon et à d'autres challenges d'ailleurs, on ne se serait pas sorti les doigts du cul.